cet atelier-là, c'est une aventure artistique, c'est une aventure humaine. La photographie, c'est une façon de donner la possibilité aux femmes de se mettre en lien. L'art, l'art est vaste. On peut ne rien toucher et faire de l'art. C'est à partir de cette photo que j'ai vu plein d'espoir, j'ai vu plein de positifs. Mon négatif s'est enlevé. Mon âme a été prise bien avant, là, derrière, de ma photo. Et puis, c'est bien que Diane ait pu voir au travers de mon corporel. Parce que moi, c'est mon âme qui se projette dans toutes ces vitrines-là et qui fait en sorte que je vois tellement de choses, je vois tellement de portes, je vois tellement de possibilités, tellement de positifs que c'est bien, c'est bien. Ça me sauve, ça me sauve. Et je croyais jamais que ça m'amènerait à ça. Mon photo préféré était celui-là qu'en sortant du salon du coiffeur, vous avez pris des mois toute seule, en face d'un arbre, dans l'ombre. C'était très joli. Tout le monde me dit que cette photo, c'est très joli. Je montais différentes personnes. Et après, finalement, j'ai envoyé pour ma famille. Ma famille aussi disait que c'est très joli. Est-ce qu'il y a d'autres photos que tu aimes aussi? Ou est-ce parce que tu étais bien coiffée cette journée-là? Et tu non, j'aime juste cette photo-là. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai participé juste deux fois. J'aimerais apprendre plus que ça. J'aimerais participer dans l'atelier de photo plus que deux fois pour être en mesure d'y apprendre plus. Quand que l'atelier de photographie va commencer? L'atelier de photographie va recommencer quand cette vidéo-là va être terminée. Parce que pour moi, c'est difficile de faire les deux. Tu comprends? Parce que je travaille quand même seulement 10 heures par semaine à la rue des Femmes. Puis faire la vidéo, ça demande comme beaucoup de temps. Cet hiver, après l'exposition à la Galerie de l'Artothèque, je me suis retrouvée seule avec Maria, qui a accepté de participer à cette vidéo en écrivant une lettre et en restant proche du processus de création. Quant aux autres participantes, elles avaient soit cessé de venir à l'atelier pour des raisons personnelles ou parce qu'elles ne voulaient pas participer à la vidéo par souci d'anonymat. Et me sachant soutenue par Léonie, la directrice, et Shanna, qui est thérapeute, j'ai accepté de faire cette vidéo, d'en assumer la direction technique et la réalisation afin de témoigner d'un processus de collaboration autre, fait d'autant de beauté que de contraintes et qui tient compte de la réalité et d'encadrement que j'exerce à l'atelier, vu l'instabilité des femmes qui le fréquentent. Cette vidéo est pour moi en quelque sorte une célébration de leur puissance, des acquis de chacune, tout en n'occultant pas les difficultés qu'elles consentent à nous partager. Et j'ai eu aussi dans toute cette... cette expérience, une richesse, une liberté de mouvement, une liberté de création, une liberté d'être ce que je suis, une créatrice, une fille qui aime stimuler, qui aime inspirer, qui aime les mettre dans des états où elle parle d'elle, où elle se met de l'avant. Parce que je crois, et toute ma création artistique est axée sur ça. Les femmes, faire partie de l'histoire, se dire, se nommer, c'est exister, tu sais, exister, mais se faire exister soi-même et pas se faire exister par les autres. Et c'est ça ici qui... C'est pour ça que je suis ici. Et c'est ça que j'aime, tu sais. Et je le fais pour moi, je me fais exister. Et je ne veux pas exister tout seul. Je veux exister avec d'autres. Et pour moi, c'est ça, l'art. C'est ça que je vis ici. Puis c'est ça que j'aime vivre avec toutes les difficultés que ça représente et les joies que ça apporte. Moi, je suis capable de m'apprendre de me laisser prendre de tout.
Quand j'ai rentré à l'atelier de photo, c'était pour sortir une côté de moi. Puis j'ai pas pensé à quel point que j'ai rattrapé mon œil, que j'ai perdu pendant longtemps, mon imagination, mon goût, de voir des belles choses, de faire des belles sorties, de passer un bel temps à faire des choses créatives, à savourer où est-ce qu'on est par rapport à la nature, par rapport à la technologie, mais nous, on crée notre chose, à notre rythme, à notre goût. L'atelier photo, ce que ça représentait pour moi, c'était un univers au complet. Parce que je faisais beaucoup de thérapie, je travaillais très fort ici dans le centre puis dans d'autres centres que j'ai fait avant. C'était travailler très intensément avec la tête, avec le cœur, avec tout ce qu'on est. Puis quand j'arrivais ici, c'était comme une pause. C'était comme si j'avais tout d'un coup accès à la beauté. Puis ça, quand on vit longtemps dans les choses des autres, parce qu'on est dans la pauvreté, on reçoit des choses que les autres veulent pas, bien, c'est pas toujours beau. Puis c'est comme si ça me faisait du bien, que j'avais accès à quelque chose que j'avais trouvé beau. Avant la dépression, j'avais été professeure, entre autres en informatique. Et à travers la dépression, j'avais perdu la mémoire à certains moments, puis j'avais perdu confiance en ma capacité de pouvoir un jour enseigner, de pouvoir un jour recommencer à travailler. Et là, à travers les ateliers de photos, j'avais à montrer à d'autres comment faire le transfert des photos, comment recadrer, des choses comme ça. Ça se passait sur l'ordinateur, donc ça me revalorisait. Ça me montrait que oui, j'étais encore capable, que oui, je retrouvais la capacité de le faire. Ça me redonnait confiance en moi. Maria, qui est une fidèle participante de l'atelier depuis le tout début, est responsable de l'activité des planches contact. Elle a choisi de nous en parler et de sa participation à l'atelier en nous écrivant une lettre. Et j'ai demandé à Eshana de nous en faire la lecture. Nous avons voulu faire partager davantage les bénéfices de l'atelier à toutes les participantes du centre. Et après chaque événement, nous affichons sur un babillard les planches contact qui permettent aux participantes de choisir et commander des photos. Et quand je les vois se dépêcher pour regarder les photos du dernier événement, cela m'apporte une grande joie. Et également quand j'ai l'opportunité de les prendre en photo, car ainsi, je crois aider au renouvellement de leur bonheur. Je participe à l'atelier de photographie depuis 3 ans. Au début, la photo représentait pour moi un intéressant passe-temps et un réservoir de bons souvenirs. Depuis 30 ans, la même petite caméra rôlée m'accompagnait en tout temps, et cela me suffisait. Maria poursuit en disant, « Les nombreuses activités de l'atelier ont représenté pour moi de nouveaux défis qui ont stimulé ma créativité, et les multiples sorties ont transformé ma façon de voir certains lieux de Montréal, dont le Vieux-Port, le Jardin botanique, le Mont-Royal, le Marché Jean-Talon, l'Insectarium et les Floralies. Elle souligne les nombreuses visites d'expositions faites à Montréal et à Sherbrooke et surtout leurs propres expositions et leur participation à des concours. D'ailleurs, une photo de Maria a été retenue lors d'un concours de la ville de Montréal et cela, écrit-elle, m'a causé une grande joie. Parle-moi de ta photo, Thérèse. J'étais très enthousiaste la journée que j'ai pris cette photo. J'étais avec toi, tu m'avais accordé environ 1 heure de temps. Puis j'étais pleine de joie de vivre parce que dans la nature, ça ne pouvait pas faire autrement. Puis il faisait beau, tout concordait. Puis j'apprécie beaucoup, j'ai souvent pensé, puis ça m'a aidé dans mes difficultés de santé. J'y ai pensé souvent à vous autres, puis je regrettais de ne pas pouvoir continuer. Qu'est-ce que ça te faisait vivre? Bien, je me sentais, j'avais plus d'estime de moi, je me sentais utile, je me sentais capable d'assister aux rencontres avec plus d'harmonie avec moi-même et les autres, le plus possible. Je faisais de mon mieux toujours.
L'art, c'est un moyen de se réaliser en douceur. Pour moi, c'est un plus dans notre vie. Pour moi, c'est un plaisir que je me fais. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Sauf que c'est un plaisir qui demande du temps aussi, puis que pour l'instant, j'ai pas ce temps-là à consacrer, étant donné que j'ai besoin de prendre soin de moi pour l'instant. Beyond Darkness, Our Seven Chakras Always Glow, qui représente cette œuvre-là, que la fontaine est sombre. La projection de l'eau, c'est vraiment au bon place. C'était sombre, ça parlait vraiment de moi. C'était une journée, on n'avait pas trop de soleil quand je l'ai pris. Mais ça sortait vraiment qu'est-ce que je vis maintenant. Il y a un petit peu de darkness qui couvre tout. Puis la lumière qui est tout le temps là, mais il faut qu'on aille la chercher. En photographie comme dans la vie, l'ombre et la lumière ne sont jamais loin. Parfois, elles se succèdent naturellement comme le jour et la nuit. Tout devient alors facilement réconciliable. À d'autres moments, de façon douloureuse et imprévisible, l'ombre s'allonge jusqu'à envahir nos espaces de paix. Avec la puissance du cœur, la vie peut rejaillir à nouveau, aussi intarissable que cette fontaine qui s'alimente à même sa propre source. Jusqu'à la toute fin, cette vidéo n'a pas échappé à cette dualité. Pareil à ce grand mystère qu'est l'amour, l'art a aussi cette prodigieuse capacité de nous réallumer, nous aider à renaître en prenant vie à même nos ombres. Les ateliers ont repris avec le printemps. Aujourd'hui, jeudi le 26 juillet, il y a Maria, Yana, Louise, une participante qui désire garder l'anonymat, et moi. Nous sommes réunis autour de la fontaine afin de célébrer les forces vives et créatives qui circule en chacune de nous et entre nous toutes, collaboratrices à cette vidéo et femmes du monde.